Avoir un robot tondeuse performant et connecté, eh bien c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un vrai bijou technologique de chez Segway. Et il s'agit donc du robot tondeuse, ici le Navimo i105e. Et ce modèle est conçu pour révolutionner l'entretien de ta pelouse. Et le gros plus ici, c'est que tu n'as pas besoin de fil périmétrique. Voilà, on a une application mobile, on a vraiment ici un produit moderne qui va pouvoir tout simplement, eh bien, un petit peu cartographier ton jardin et tout. On verra ça bien entendu dans la vidéo. Et ça, il s'agit vraiment d'une petite révolution technologique, sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avis positifs concernant ici ce produit en question. Et avant de commencer, j'aime toujours vous présenter aussi la marque, l'entité qu'il y a derrière, donc ici Segway. Elle a été fondée en 1999. Segway, ici Ninebot, s'est imposé comme un leader mondial dans le domaine de la mobilité intelligente et des technologies robotiques avec plus de 20 ans d'expérience. Voilà, Segway, c'est quand même très connu aujourd'hui. Il continue d'innover pour améliorer en fait notre quotidien grâce à des solutions robotiques de pointe. Et avant de commencer avec la phase test, on va voir ensemble très rapidement les caractéristiques de ce robot tondeuse qui sont d'ailleurs vraiment très très intéressante, et puis après on passera à la phase test. On a donc une installation rapide et facile avec le système Exact Fusion Locating System, donc c'est le EFLS, qui permet d'installer ici le Navimo sans fil périmétrique. Utilisez simplement en fait votre smartphone pour définir des frontières virtuelles autour de votre pelouse, et ça c'est vraiment trop bien. D'ailleurs, avec l'application mobile, on va pouvoir aussi programmer un petit peu des séances ici de tonte. Et puis, on va pouvoir aussi segmenter. Par exemple, si vous voulez qu'il fasse une zone précise, et ben, il fera cette zone précise le lundi, imaginons à 10h du matin. Et puis après, il peut faire une autre zone, imaginons le jeudi, le vendredi, etc. Donc ça, c'est vachement intéressant. On a aussi une précision concernant le positionnement. Ici, grâce à un système de positionnement en temps réel, RTK, et à la vision intégrée, le Navimo assure un positionnement précis au centimètre près, même dans des conditions de jardin complexes. Et concernant cette fameuse détection et évitement d'obstacles, ça s'appelle le capteur Vision Fence, et les algorithmes ici AI, donc on a vraiment recours à de l'intelligence artificielle, qui permettent au Navimo de détecter et d'éviter plus de 20 types d'objets courants dans le jardin. On aura aussi l'algorithme de navigation intelligente qui planifie le chemin le plus efficace pour tondre l'herbe, donc ça c'est assez important. Donc il y a vraiment une optimisation de ses déplacements. Tu peux aussi personnaliser la hauteur de coupe, réglage de la hauteur de coupe de 20 à 60 mm, les directions de tonte et le calendrier de tonte pour chaque partie de ton jardin. Concernant l'application mobile, comme je t'ai dit, c'est Navimo qui est disponible bien entendu sous iOS et sous Android. Tu peux aussi visualiser les cartes en temps réel et personnaliser les zones de tonte, sachant qu'ici c'est cartographié assisté par l'intelligence artificielle avec la fonctionnalité Assist Mapping qui permet de cartographier automatiquement et efficacement ta pelouse. Donc c'est vraiment franchement ici un produit qui est bourré de technologie. Concernant sa capacité de montée, il peut monter des pentes jusqu'à 30%, donc ça reste une information importante, bien entendu ça dépendra en fonction de ton jardin. Autonomie de la batterie, on est sur du 60 minutes, temps de charge 90 minutes, une zone de tonte ici recommandée avec la version que je te montre aujourd'hui, 500 m². Le niveau sonore, je sais que ça peut être demandé, fonctionne ici à seulement 58 décibels pour une tonte silencieuse, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Résistance bien entendu à l'eau, certification IP66 pour une protection complète ici contre l'eau. Ouais bien c'est parti, on va donc tester ce petit bijou technologique. Ouais bien c'est parti pour la phase test ici du Navimo i105e, et comme tu peux le voir, nous sommes dans un cadre plutôt paradisiaque. Et oui, nous sommes en Corse, regarde-moi ces belles montagnes derrière. Et puis nous avons vraiment un super terrain pour tester ce robot tondeuse. Alors ici j'ai bien entendu fait une installation relativement rapide puisque la station est branchée à une batterie externe. Donc là c'était vraiment pour que je puisse l'installer parce que je ne suis pas chez moi et je voulais vraiment ne pas embêter le voisin hein, sur cette installation tout ça. Donc je voulais vraiment faire quelque chose d'assez simple. Donc j'ai ramené ma batterie externe portable puisqu'en fait c'est prise secteur qui est branchée tout simplement
également ici au robot tondeuse. Comme tu peux le voir à gauche, alors j'ai pas planté jusqu'au bout hein, parce que j'ai vraiment planté rapidement, nous avons ici l'antenne, la fameuse antenne qu'il faudra bien entendu mettre, on va dire, sur le terrain pour qu'elle soit vraiment visible et que en fait le robot puisse bien détecter. Donc là je l'ai vraiment mise à côté et comme tu peux le voir il n'y a pas vraiment d'obstacles, il n'y a pas de mur, etc. Donc là c'est vraiment dans des conditions parfaites. Concernant le robot, forcément ici il est dans sa station de recharge et ce qu'il faut savoir c'est que là je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas chez moi, mais en fait il faut tout simplement visser ici, tout est inclus bien entendu dans la boîte pour fixer hein, cette station là hein, pour pas qu'elle ne bouge. Il y a aussi des vis orange qui servent lors de l'hiver lorsque tu veux les ranger, et eh bien tu peux tout simplement mettre les vis orange, ce qui permettent de repérer tout simplement les trous de ta station. Quand on regarde ici, on a tous les câbles un peu qui pendouillent, donc bien entendu ça ce ne sera pas le cas hein, dans une vraie installation, puisqu'il livre aussi ce qu'on appelle un petit peu des petites vis qui vont permettre tout simplement eh bien, de mettre un peu plus au sol, de cacher un peu plus les câbles. Donc moi voilà, ça pendouille un peu, c'est pour la phase test, et puis vu que je ne suis pas chez moi et tout, je voulais vraiment faire une installation facile et rapide. D'ailleurs j'ai mis une minute à peu près pour installer, c'est vraiment très très rapide. Concernant le robot, il faut donc éviter en fait de mettre des obstacles vraiment à gauche ou à droite ou à l'avant, puisque bien entendu il va sortir de sa station, donc on évite tous les obstacles, ce genre de choses. Quand on se rapproche ici du Navimo i105e, nous avons bien entendu ici la possibilité de choisir la coupe de tonte en fait. Donc c'est ici tout simplement en centimètres, on peut aller de 2 à 6 centimètres. On a un petit bouton stop, on a trois boutons ici donc qui sont indiqués, avec le bouton play pour te faire simple, le bouton pour ok hein, pour valider ou pour éteindre si tu as plus longtemps le produit, et le bouton home pour retourner à sa station. Nous pouvons voir aussi ces grosses roues orange sur les côtés, donc ça c'est assez intéressant, avec des roues qui sont un peu plus directrices à l'avant qui lui permettront de pouvoir bien se déplacer sur tout type de terrain. Voilà, et sur des pentes aussi comme je te l'ai dit à 30 degrés environ. Bon et bien c'est parti, on se retrouve donc pour cette fameuse phase test. Comme tu peux le voir, mise à jour du micro logiciel. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super bien avec ce genre de produit, c'est qu'ils sont connectés, ils se mettent à jour, c'est-à-dire qu'ils vont évoluer dans le temps, et ça c'est juste excellent. Donc j'ai cliqué dessus, donc là on arrive sur cet accueil là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de carte, il n'a pas encore cartographié, ce qui est tout à fait normal parce que je n'ai pas encore lancé le robot. On peut voir qu'il a actuellement 100% de batterie, donc je l'ai bien rechargé bien entendu juste avant, mise en stationnement et tout, et donc là j'ai créé une carte. Donc je ne peux pas cliquer sur créer une carte, donc j'ai localisateur d'antenne, donc j'appuie dessus. Appuyer sur commencer pour contrôler la tondeuse à distance et la laisser donc explorer, etc. Donc je appuie sur commencer. Bluetooth déconnecté, veuillez le reconnecter. Alors, ah oui, zut, je suis bête, mais hop, j'ai déconnecté ma Bluetooth parce que je me suis mis en mode avion pour éviter les interférences avec mon micro. Alors attends, on va recommencer, se connecter. Donc, voilà, je me connecte en Bluetooth. Bon, au moins ça se fait rapidement, c'est bien pour la phase test. J'appuie sur commencer. Afin de garantir un positionnement précis, placez la tondeuse sur la bande de rechargement, puis commencez l'étalonnage. Ok, donc là je fais étalonner. En cas d'urgence, appuyez sur le bouton stop. On a un bouton stop, donc comme tu peux le voir là, la tondeuse est en train de sortir et commence l'étalonnage. 91, 96, 97%, 99%. Étalonnage réussi. Vous pouvez maintenant contrôler la tondeuse à distance pour explorer le jardin. Parce que le but, en fait, et c'est un peu avec tout type de robot, que ce soit tondeuse, aspirateur à la maison, en fait, c'est de regarder la première fois, de lui montrer l'environnement en question. Une fois qu'il comprend l'environnement, il pourra le faire en toute autonomie par la suite. Donc là, je fais commencer. Comment fonctionne-t-il? Donc tout est expliqué. Voilà, c'est vraiment très facile, c'est hyper intuitif. Donc là, je slide, guider la tondeuse. Le but, c'est de lui montrer l'environnement pour la première fois. Gardez vos distances, tout est prêt. Vous pouvez maintenant commencer l'exploration. Commencez, j'appuie dessus. Et donc ici, je vais pouvoir diriger manuellement le robot. Mais il y a aussi une option qui permet tout simplement, le robot, il peut le faire tout seul en toute autonomie. Et on va suivre le robot pour voir s'il arrive plus ou moins à bien cartographier et surtout à faire le périmètre en fait du terrain en question. C'est ça le plus important, c'est le périmètre. Et après, il n'y aura aucun souci puisqu'il fera de toute façon à l'intérieur du champ. Donc ici, il y a le robot qui est juste ici. Et là, je vais pouvoir
tout simplement lui demander d'avancer. Et d'ailleurs, ça répond extrêmement bien. Il y a vraiment, je trouve, une bonne réponse entre la télécommande et le robot. Voilà, donc là, je lui demande d'avancer sur le côté. Il y a vraiment une très bonne réponse. Donc là, je vais lui donner le terrain à faire. Regarde ça. En plus, il y a des mauvaises herbes qui sont relativement hautes. Il n'a aucun souci pour faire le terrain. Donc là, je peux lui demander de tourner. Hop. Alors nous, pour la fast test, on va lui demander de faire une petite partie du terrain. Voilà. Et donc là, le but, c'est vraiment de le suivre et de lui donner le vrai périmètre. Ici, bien entendu, c'est la fast test. Donc là, on va juste lui donner un petit périmètre à faire. En tout cas, je vois qu'il n'a aucune difficulté de déplacement. Que ce soit même avec des montées, même avec des mauvaises herbes qui sont bien présentes. Hop, et là je vais lui demander de remonter. Voilà, je vois aussi bien entendu sur l'écran, il a toujours 100% de batterie. Donc c'est assez intéressant parce qu'il a pu faire des mises à jour. Là il tourne un petit peu et il y a toujours 100% de batterie. Donc là on revient un petit peu au point où on était. Donc là je fais terminer. Y a-t-il d'autres zones de pelouse qui n'ont pas été explorées? Si c'est le cas, continue à explorer. Donc ça, c'est vraiment pour valider plus ou moins si tu as pu tout explorer. Bien entendu, ici, comme je te l'ai dit, c'est une phase test. Donc on a fait une toute partie du terrain. Donc là, je fais confirmer. Chargement en cours. Ok. Donc là, globalement, appuyez sur l'un des emplacements d'antenne recommandés, puis appuyez sur suivant pour vérifier l'emplacement correspondant pour la station de charge. Donc comme tu peux le voir ici, zone recommandée en haut à droite, nous avons très bon, bon et moyen. Alors en fait, tout ça, c'est tout simplement un petit peu, si je clique dessus d'ailleurs, je peux, hautement recommandé, recommandé, bon pour la plupart des scénarios. L'antenne peut être installée dans toutes les zones. La tondeuse peut mieux fonctionner dans une zone où l'antenne peut recevoir des signaux plus forts. En fait, ça te montre, et ça c'est vraiment bien, lors de la cartographie, si le robot capte bien ici avec l'antenne. C'est quelque chose d'extrêmement important. Si jamais le signal est faible, soit vous bougez l'antenne, soit vous bougez en fait, la station de recharge du robot avec l'antenne. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi ici, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obstacle, donc ça reste relativement simple. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le plus important, la tonte. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Mow now. Appuyez pour continuer la tâche actuelle, appuyez longuement. Ok, j'ai compris. Et donc c'est parti. Il démarre donc, et je te superpose aussi l'application, puisqu'on va pouvoir voir en temps réel les déplacements du robot. On va voir donc sa séance ici de tonte. Il va passer la tondeuse. Le chemin qu'il a parcouru un petit peu, on le voit ici le long. Voilà. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il est vraiment silencieux. Alors on a un voisin pendant ce temps qui est en train de tondre sa pelouse et donc qui fait beaucoup de bruit. Forcément s'il le fait hop, avec une machine au loin, on entend vraiment la différence entre ce bruit là qui peut gêner voilà, le voisinage et tout, et le bruit ici qui est extrêmement faible. Donc ça c'est un point très important hein, si une personne il a un jardin. Bah, d'ailleurs on voit que là il a bien coupé là. Regarde tout ce qu'il a coupé. Il est en train de le faire dans son jardin et tout, bah en fait finalement ça fait pas de bruit. Voilà, c'est vraiment très faible. Regardez quand même ce paysage magnifique de la campagne corse. Et là comme on peut voir, il est en train de passer et franchement ça marche super bien. Sachant que l'herbe est vraiment haute là. Hein. Elle est vraiment haute, on voit son passage. Hein. Et qu'on a quand même de l'herbe, normalement il faut qu'elle soit un peu plus basse. Hein, parce que là on voit que les mauvaises herbes et tout. Mais que là, c'est très intéressant. Bon, et bien pour un premier essai, je trouve que c'est assez concluant. Parce qu'on voit vraiment ici, là il a tondu vraiment la pelouse là, sachant qu'il y a quand même des mauvaises herbes. Donc dès qu'il y a des grosses mauvaises herbes comme ça, normalement c'est à éviter. Hein, parce qu'en fait il peut le voir comme un obstacle. Donc mieux vaut voilà passer un petit coup avant. Là on est vraiment sur, on va dire,
On a lancé le robot avec de l'herbe assez haute et je trouve qu'il se débrouille vraiment très bien. On voit la différence entre le avant et le après. Regarde là, on voit vraiment son passage entre ici. Et d'ailleurs, si on regarde, il a coupé pas mal de choses, même des mauvaises herbes et tout. Donc c'est vraiment intéressant et j'ai vraiment cette impression où en fait c'est vraiment un robot qui pour une pelouse c'est parfait. Voilà, qui est passé alors qu'il y a quand même pas mal de mauvaises herbes. Et vraiment, il passe sans difficulté. Regarde ça. Vraiment, c'est bien. On voit là aussi son passage entre le avant et le après. On voit bien que là, l'herbe est quand même assez haute. Ah, il revient. Regarde ça. Ah, franchement... Sachant que là, il y avait les mauvaises herbes. Intéressant. Pour faire une petite conclusion de cette fast test dans un cadre juste sublime, je trouve que c'est très convaincant, sachant que, comme je te l'ai dit, il y avait vraiment de l'herbe assez haute. Donc, on peut voir de l'herbe un petit peu haute qui est restée, qui l'a détectée comme obstacle. Donc, bien faire attention à ça. L'idéal dans la première séance, c'est que ce soit bien tondu. Comme ça, derrière, en fait, il l'entretient régulièrement. Et ça, c'est vraiment top parce qu'on voit vraiment une différence où ici, c'est vraiment bien tondu et comment c'était avant, c'est-à-dire que c'était assez haut, etc. Donc, on voit vraiment la différence. Puis de toute façon, pas de secret, tu regardes comme ça, tu vois tout de suite l'herbe qui a été coupée. Et là, c'est qu'une première séance, sachant que c'était assez haut. Donc après, tu peux le mettre une deuxième fois pour qu'il repasse un deuxième bon coup. Ça émet pas beaucoup de bruit, ça je trouve que c'est très concluant. Il fonctionne bien, il n'a pas eu vraiment de soucis particuliers. On voit qu'il avance bien. Il tourne bien aussi, rien de ça. Et voilà, en tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui le Navimo i105e, ici proposé par la marque Segway. Franchement, super produit. D'ailleurs, comme tu peux le voir aussi sur internet, il y a énormément d'avis positifs concernant ce robot tondeuse. On a vraiment un produit, je dirais, complet, avec très polyvalent, que ce soit une très bonne application mobile, un très bon hardware. Ça fonctionne vraiment bien aussi avec l'antenne ici RTK. On a vraiment un bon produit bien fini. On peut aussi personnaliser la hauteur de coupe. On peut aussi bien entendu programmer, planifier des séances de tonte. Vraiment, c'est nickel. Il n'y a pas grand chose à dire. Ça cartographie bien, ça se localise bien. Ça, c'est le plus important. On est vraiment sur un produit de très bonne qualité. Alors, concernant son tarif, bien entendu, le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo. Et concernant le Navimo ici i105e, il est disponible à 999 €, ce qui, je trouve, est un bon rapport qualité-prix. Quand on va regarder les concurrents aussi, on remarque qu'on peut être même plus cher chez les concurrents avec les mêmes caractéristiques, sachant que là, derrière aussi, avec le produit que je te présente aujourd'hui, c'est de la marque Segway. Et franchement, c'est une marque qui est là depuis plus de 20 ans, comme je t'ai dit, et qui est vraiment hyper sérieuse et qui propose ici des super produits. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer la vidéo parce que tu vas kiffer.